Bonjour ma Mélodie, tu en as mis du temps. Oui ma chérie, laisse-moi le temps de décrocher, la jeunesse, toujours pressée, ça m'épuise. Oh désolée mamie, j'ai juste beaucoup de travail en ce moment. Ce n'est pas grave, jeune intrépide. Que vas-tu m'apprendre? On va faire des instruments de musique. C'est parfait mamie, je passerai demain vers 15h si ça te va. Bien ma chérie, j'en prends note. Super mamie, à demain, bisous. Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis. Ici le studio, que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est Hello, j'aimerais que ça soit au plateau 28 s'il vous plaît. Très bien Hello, je vous ouvre. Parfait, merci Paul. On se retrouve sur le plateau, donc pour cette émission, on va voir pour faire des instruments de musique. Donc j'ai plusieurs designs de piano, j'ai même un design de batterie et j'ai essayé de faire un orgue et tout. Voilà, j'ai essayé de réunir différentes idées, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait sur internet et tout pour essayer de faire un peu des choses différentes. Voilà, donc c'est parti. Alors le premier design de piano est celui-ci, ce sera le plus petit, donc tout simplement vous allez prendre 3 blocs de bois écorcés, vous allez mettre des dalles de sapin au-dessus, des escaliers de chêne noir derrière comme ça, des petits rails pour symboliser les touches du piano, un petit item frame avec un livre pour faire comme si vous voyez votre partition, et ici une petite dalle histoire de symboliser votre siège. Donc voilà pour ce design. Le deuxième design de piano est celui-ci qui est vraiment plus grand pour le coup. Donc il faut mettre tout simplement hop, un escalier comme ceci. Je vais y arriver? Ouais, on va y arriver. Hop, ici on va mettre une dalle. On va avoir un autre escalier comme là. Hop, on va devoir espacer de 3. Tac, comme ceci. On va devoir remettre un escalier comme cela. Et un escalier comme cela ici. Là, ici, vous allez mettre tout simplement 2 petites barrières de sapin. Et là, tout simplement, on va avoir notre petit piano qui va descendre. Hop, j'aimerais pouvoir poser où je veux mes trucs. Voilà, ça c'est fait. Donc ici, voilà, il vous faut un bloc plein. Ici, ça, tac, comme ça. Tac, tac, tac. Non, c'est plutôt l'inverse. Donc là, des dalles, là, ça va faire un bloc plein. C'est un peu compliqué de refaire les choses comme ça, les amis. Hein. Donc là, des petites dalles ici. Là, vous mettez un petit time frame, un petit papier, des rails. Au centre, vous mettez une petite dalle avec des panneaux pour faire vos accoudoirs. Et vous pouvez même mettre un à l'arrière pour faire le dossier. Donc voilà pour ce piano, les amis. Donc la troisième idée, c'est tout simplement la batterie, les amis. Donc voilà, il faut mettre 3 blocs comme ça. J'ai pris du concrete gris foncé, après c'est en fonction des goûts et des couleurs. Là vous allez mettre tout simplement des petites barrières, hop, vous allez en mettre une ici. Vous allez mettre des plaques de pression en or, hop, pour faire les cymbales. Là, comme si vous aviez votre grosse caisse, vous allez mettre un item frame avec un levier dans ce sens là. Là, hop, on va poser des petites dalles de en fer. Là, ici, on va mettre un piston, hop, qui s'est ouvert. Ah oui, parce qu'il y a le levier devant. Avec une petite carpette grise pour symboliser le siège, voilà, de la batterie, tout simplement. Donc voilà pour ce design. Donc le quatrième design est un orgue, donc c'est assez grand. Donc pour le reproduire, vous allez mettre 3 blocs de gold comme ceci. Là, on va mettre des escaliers comme ça. Là, un ici, un ici. Là, vous allez en mettre un au-dessus. Et là, on voudrait qu'il soit arrondi. Donc, vous êtes obligé de mettre vos escaliers comme ça. Tac. Là, vous allez mettre 2 blocs pleins comme ceci. Pareil là. Donc là, vous allez combler. Et on va tout simplement monter. Donc là, 2 blocs. Vous en mettez un de plus. Là, un de plus. Et vous allez poser des dalles au-dessus. Hop, comme ça. Tac. Là aussi. Là aussi. Et là, on va utiliser des petites trappes, tout simplement, de Dark Oak. Après, si vous n'aimez pas du tout les dalles de Dark Oak, vous pouvez faire en spruce. Mais moi, ça ne me choque pas. Donc là, on va mettre des dalles partout. Enfin, des dalles, des trappes, pardon. Hop, tac, comme ça, tac. C'est compliqué de les poser parce qu'il faut bien shift. Et hop, après, bah, bien sûr, vous les fermez histoire qu'elles soient contre votre bloc, hein, tout simplement. Hop, tac, tac, comme ça. Et on fait pareil ici sur le côté. Donc voilà, ça c'est bon. C'est une première étape de fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est réussir à mettre nos rails correctement. Donc, tac,
Tac, tac et tac. Voilà, comme ceci. Là, vous allez mettre tout simplement une petite dalle avec une porte pour symboliser votre chaise. Bon, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, vous voyez, c'est les tuyaux de l'orgue, tout simplement. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de ça, de colorant et... Donc, ce qu'il faut faire, une fois dans le métier à tisser, tout simplement, c'est mettre la bannière, mettre le colorant orange, les amis. Hop, on prend ce symbole-là, on remet la bannière, on va mettre un colorant jaune et on refait la même chose. Et là, en gros, vous allez avoir la bonne bannière. Regardez. On voit, là, ça fait bien jaune et sur le côté, ça fait légèrement orangé comme les tuyaux qu'on voit sur un orgue. Donc, là, vous allez en mettre un ici de bannière, une là... Une là, non, une là, hop, une là, une là, une là. Voilà, et tout simplement, vous allez avoir votre petite orgue, les amis. Donc, la cinquième idée, les amis, tout simplement, c'est un autre piano. J'ai vu un truc qui m'a inspiré. Donc, vous avez deux barrières, comme ça, vous allez espacer de deux. Vous allez refaire la même chose. On va prendre des blocs de Dark Oak qu'on va mettre comme ceci, tac, comme ça, tac. Là, ici, on va tout simplement utiliser des métiers à tisser. Hop, on va mettre des petites trappes sur les côtés. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Enfin, il faudrait faire pareil, mais là, je peux pas parce que je suis collée à l'autre. Mais voilà, je vous le dis. Donc ici, on met une petite barrière. Je vais y arriver un jour. Là, hop, on va mettre un bloc comme ceci. Là, un bloc comme cela. On va monter tout doucement. Et comme ceci. Là, devant, on va mettre tout simplement des panneaux pour qu'on voit moins le... Le morceau tout simplement du métier à tisser. Et vous voyez là ça symbolise vraiment les touches. Je trouve vraiment que ça le fait en vrai. Parce que les touches du piano noir et blanche et tout. Ça, avec l'effet rayé je trouve que ça rend assez bien. Donc voilà pour cette idée les amis. Donc voilà je vous ai montré toutes les idées que j'ai eues. J'ai expliqué aussi bien que j'ai pu. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'expliquer quelque chose. Parce que surtout qu'il y a des choses qui sont assez précises comme sur l'orgue. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre. Et c'est vrai que c'est pas évident. Mais voilà, je vous ai montré tout ce qui m'est venu en tête quand j'ai pensé à l'émission sur la musique. Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant, portez-vous bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission. Et je vous fais des bisous. Bye bye. Émission télé présentée par Hello. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Hello MC. N'hésitez pas.